Flore est une jeune femme de 33 ans, une artiste qui peint en fait et qui travaille depuis l'âge de 7 ans. Donc elle a 25 ans de carrière derrière elle. Elle a eu des expositions un peu dans le monde entier. Son talent a été célébré, mais sans trop, parce qu'il fallait la laisser évoluer et vivre sa vie à son rythme. Ce qui était intéressant chez elle, c'est que dès le départ, non seulement elle a fait des toiles tout à fait magnifiques, mais elle a voulu s'emparer de la poupée Barbie comme médium, comme support pour son travail. Et donc, quand sa mère l'a laissée agir vers l'âge de 11-12 ans, considérant qu'elle n'avait plus besoin de ses jouets, elle a commencé à faire des petites sculptures avec les poupées. Et l'industrie magnifique nous a donné l'occasion de transformer ces petites œuvres en sculptures géantes pour les montrer au public. Pour ce qui est des poupées Barbie, les premières étaient extrêmement trash. C'était des poupées qui exprimaient une souffrance, un rapport au corps qui était compliqué et difficile. Et avec le temps, ces poupées deviennent plus douces, plus fluides, plus séduisantes aussi pour le regard du spectateur. C'est l'occasion de la présentation de sa première sculpture monumentale. C'était important de pouvoir le présenter sur une place publique pour que les gens puissent être en contact et qu'il puisse y avoir ce dialogue qui est nécessaire pour l'artiste par rapport à son œuvre.